Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Encastraria pour continuer nos aventures. Donc là, je vais essayer tout de suite d'attaquer directement en fait le monde difficulté, le monde 3, difficulté 3. Comme ça, ce sera fait. Alors, écoutez, on essaiera. Ça me paraît être intéressant. Pour essayer. 10-67. On est entre 68 et 69. Ça devrait être ok. Donc, bénédiction, j'ai bien envie de tenter. Mais après, c'est vrai que 150, ça peut être cool aussi. Parce que le problème, voilà, c'est qu'on va peut-être pas avoir chasse. Bien évidemment, on l'a pas. Bon, bah c'est tout. Hein. On fera avec. On fera avec. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix. Bah c'est parti. Lend me your strength. Disappear among the sea of butterflies. Donc là comme ça on aura terminé pour le moment l'univers simulé. Du moins pour le monde 3, on devra attendre. Ça paraît ok, mais je pense qu'il y a moyen de réussir. Alors ici, on a chasse, parfait. Encore un? Ah. Ça c'est chiant par contre. Oula. La souris qui ne veut pas réagir. Et ça va pas, je jouerai à la manette. Pas la même chose, mais bon. Avec. J'ai l'impression que c'est parce qu'elle a peut-être plus beaucoup de batterie. Malheureusement. Ça va. Pour le moment, c'est sûr. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Et ben voilà, chasse, parfait. On est obligé de toute façon. Là, pour le moment, la résonance, c'est comme ça de base. Ouais, donc là, on y va. On va faire que des combats. On change un peu. Il y a moyen que ça passe, voilà. Une petite attaque. De résonance. Ok, on augmente les chances de coup critique, c'est propre. Pour le moment, j'ai vu que ça reste ok. On va résister aux effets. Ok. Allez hop, on continue la petite chasse. Là, je suis même chaud d'utiliser aussi. Bah les petites pièces que nous avons. J'essaie d'avoir d'autres reliques quand même. Ça pourrait être cool. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. Donc là, ce que je viens de penser à l'instant, ce qu'on va faire, c'est bien sûr attaquer le plus possible de d'univers simulé, mais
dès qu'on a les 10 000 points, on s'arrêtera. C'est-à-dire que si je dois en faire 3, j'en ferai 3. Si je dois en faire 4, j'en fais 4. Et je reprendrai la semaine prochaine, bien évidemment. Comme ça, au moins, ça nous permet d'être un peu plus tranquille. Alors ça, non. Ça, bah, pas ouf. Donc du coup, je dirais que ça, c'est bien de réduire de 30%. C'est plutôt propre. Et on va utiliser, bien évidemment, comme je vous ai dit, on va essayer de les utiliser histoire de monter. Imaginaire, alors ça, c'est très bien. Un peu dommage qu'il y a eu des procs en défense. Mais très très bien pour Welt. Parce qu'en plus, c'est le seul imaginaire. Ah, c'est un peu dommage par contre. Le reste, après, à peu de choses près, c'est la même chose, quoi. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas bien fou. C'est dommage. Voilà, vous voyez, 53. C'est parti. On l'a. Ouais, si, j'aurais pu acheter. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Non, on va partir. Je veux pas m'infliger de... Vu que dans tous les cas, maintenant, je n'ai pas besoin de refaire des bizarreries dans ce type. On le fera différemment. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Ok, on est bon. Et ce n'est que le début. Les dégâts crits. Très très bon ça, les dégâts crits. Excellent. Excellent. Il va attaquer qui du coup? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Est-ce qu'on va résister au coup, j'ai l'impression. Il va s'en aller. Là, les dégâts ne servent à rien, il fallait juste les attaquer. Ok. Le petit cochon, ça va être cool. Non. Il s'en fout, très bien. Allez, c'est maintenant. Eh ben, elle a pas eu le temps de s'enfuir. Alors, ici, bah, chasse, parfait. Rester en TPV, c'est pas forcément mauvais. Mais je pense que, voilà. On peut viser aussi sur le fait que Célé, elle vient plusieurs fois et elle continue. Elle continue, donc il y a moyen de faire extrêmement mal. Grâce à ça. Vraiment. C'est bien. Ça fait des petites attaques par-ci par-là. Hein. Alors, on a quoi ici? Non. Super. On va augmenter les points de vie reçus. Zone de combat. Pas faire de rencontre, je veux que aller dans les trucs de combat.
disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Là normalement les dégâts augmentent hein. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Ouais, je pense qu'on est pas si mal en termes de... de tour, ça va. Elle a eu l'utilisation comme il fallait. Ouais, je crois que c'est ça que je prends d'abord. Et ensuite, je prendrai l'autre. Oh, c'est propre. Franchement, là, ça va, c'est nickel. Alors là, ça va pas être la même, du coup. Forcément, c'est un élite. Là... ça commence à se rapprocher le niveau, on va dire, un petit peu... ah quoi, inquiétant. On va mieux faire de la faiblesse, maintenant. Ok, c'est maintenant. Là ça va faire des tours et des tours. Ok, on tient 56 000. Ça veut dire qu'il avait encore tapé en zone. Le coup critique qui font plutôt bien mal. Les soins obtenus sont augmentés, donc c'est ça. Ça c'est propre, hein. Franchement ça va. Bientôt. Là c'est bon. Ok. Alors chasse, parfait. Et de long, bien évidemment. Ça, comme j'ai dit, clairement faut le faire. Donc là on a quoi? On a dev pour 100. En plus on va augmenter les PV. Il y a des PV, il y a la chance d'appliquer des effets. En vrai c'est ok, là ça aurait été bien en attaque pour 100, mais en vrai ça va. Ça va. Donc il y a des jouets, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Puis 8% c'est pas mauvais non plus quand même. Alors c'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors, on va essayer. Allez, s'il te plaît. Oh non, pas abondant. Non, mais s'il vous plaît, mais pas des trucs de mort comme ça. Oh. Alors là, faudra faire attention. Oh, soin, ça va encore. Alors, vous renforcez 3 bénédictions.
pour renforcer 2 munitions ou... en vrai, 3 c'est pas spécialement mauvais, mais j'ai bien envie de tenter les 2 quand même. Voilà. Mais les 3 c'est pas mauvais parce qu'on a de la chance de coup critique et autres. En vrai... ça reste intéressant. Non, toujours en contre, ouais, c'est cool. Réservation, non. Oh, punaise. Ouais, allez. De toute façon... Alors, c'est sûr. Là, c'est pas des petits ennemis. Mais bon. On va le faire plutôt tranquillement. Non, on va continuer sur celle-là. Voilà, comme ça au moins elle est KO pour le moment. Et on va continuer à le boire. On gratte. Tout ce qu'on peut faire, on gratte. Faut que j'essaie d'en mettre une KO. Non, cible. Il quand même provoque. J'ai qu'une personne qui est provoquée, c'est chiant. Du coup, je suis bien tenté. Je pense qu'il vaut mieux la taper là maintenant. Oh punaise, t'es sérieuse. Bon, j'essaie de... lui faire mal. Ok, nickel. Parfait. J'essaie de les faire partir. Il y a peut-être moyen. Pas qu'elle soit KO, mais qu'on puisse l'avoir au prochain tour. Ça va. J'ai bien envie de soigner. Boum. Elle, il faut la... faut vraiment qu'elle parte. Ça, il faut... Voilà. A plus. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Not a scratch. I'm okay. Aïe. J'ai bien envie de claquer quand même l'outil. Ouais. C'est peut-être overreact, mais bon. Ah, j'aurais peut-être dû monter l'attaque. Oh. Casse-pied. Bon bah c'est parti.
Là, de toute façon, on a de quoi améliorer un peu, mais pas non plus de ouf. Quoique, c'est pas si cher. Hein. Ouais, j'ai bien envie de... Alors après, tout va dépendre. Je pense que le mieux, c'est pas les chances, mais plutôt les dégâts crit. Là, pour le coup, 30% de dégâts crit, je dis pas non, comparé à 20, bon, ça va le faire. Je vous assure, ça va le faire. Allez, c'est parti. On sera contre le fameux Jepul. Ok. You'll pay for this. Lend me your strength. Don't mess with me. Time for a shot. Ça c'est pour faire vraiment des dégâts de zone. Ok, allez c'est parti. Et maintenant c'est parti, on peut laisser. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disappear among the sea of butterflies. Ouais, là, c'est parti. Hein. Ça va dérouler. Lend me your strength. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Seize the initiative. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. What a headache. Non, je vais faire attention pour une chose, parce que je sais très bien ce qui allait se passer. Et là maintenant, si elle veut, y'a pas de soucis. Voilà. Ça fera quand même un petit peu de dégâts de gratte. Siège. Waouh. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Ok, un en moins. Lend me your strength. Who's next? That's better. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Not a step closer. In the name of preservation. Just a little something. Think nothing. C'est surtout le début où il faut le maîtriser. Quand on voit qu'on arrive vers la fin et qu'on peut avoir la capacité de résonance, faut faire gaffe quoi. C'est vraiment les deux points primordiaux. Je dirais que c'est... Ouais, c'est juste ça qui pourrait faire en sorte que c'est cassé. Ah, il est assez loin son shield. Et voilà, c'est parti. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Stay focused. In the name of preservation. Lance. Forward. Lend me your strength. C'est pas le temps.
Ah non. Je pensais pas que ça allait charger aussi vite. Ça peut être un problème, hein. Oh, il tient. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Lance, forward. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. Give it up. This ends here. That's better. Just a little something. J'allais dire, est-ce qu'elle utilise son outil, hein? Lend me your strength. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Troublesome. C'est le retour de son shield. Shield est vachement balèze. Ça va. Ça reprend le cours correct. Ça va le faire. Ok, bah c'est parti. Parfait, ça a attaqué le vent. C'est reparti, là ça défoule. Ça se déchaîne. Eh bah écoutez, propre. Allez, on va... Un petit peu de chance, ça serait cool. PV, si, en vrai, si. Là, c'est bien. PV, défense, on a un peu d'attaque. Bon, défense flat, c'est très bien. Là, je dirais... Je sais pas, ça dépend. Je dirais quand même... ouais... On peut avoir résil aux effets, de vitesse. Parce que vitesse, en vrai, ça peut permettre de monter, mais je sais pas si la vitesse, on l'a vraiment beaucoup ou pas. Est-ce qu'on a de quoi, en fait, passer les fameux 120 ? Là, dégâts de vent, ok, mais voilà, ça reste pas ouf. Là, en fait, je pense que j'aurais eu l'inverse. Rien qu'à cause de ces dégâts crit, là. Là, on va dire il me manquerait un attaque pourcent. Et surtout beaucoup de proc en dégâts crit. Là, ça aurait été vraiment énorme. Mais bon. Ce n'est pas le cas. C'est dommage. Bon, on l'a terminé. C'est cool. 4600. Ouais, donc ce sera 3. Ce sera 3. C'est pas malheureusement, en vrai. Ça va. Ça, c'est ok, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas... Je dis ok parce que c'est pas monstrueux. Ben on a de quoi faire de la défensive quoi, mais bon. En fait les deux là sont intéressants si on veut augmenter convenablement la défense. Mais il nous manque une stat PV quoi, si on veut vraiment profiter du vrai bonus. Hein. Ah, bien évidemment. Alors les succès, qu'est-ce qu'on a? Là ça va être le 3 sans tomber, non? Non, même pas. 1000 ennemis, d'accord. 1000 ennemis dans l'univers simulé, c'est plutôt ok. On y est presque, hein, on va 1000. On y est presque. Objet destructible, ok. Bon. Ça, on les fera, bien sûr. Mais on les fera une fois qu'on a terminé, en fait, le reste. Alors. En difficulté 2 ou plus avec 6 bénédictions ou moins.
Ok. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça peut être un truc qu'on peut avoir au niveau 4 aussi, non? Non, ça va. Ils ont pas été trop méchants, alors, du coup. Après, on va utiliser 25 techniques. Eh ben... On verra ça plus tard. Là, surtout, ce que je vois, c'est que ça a bien monté. C'est propre. On a réussi à faire, du coup... Bah là, pour le moment, mon niveau 3... Le monde 3 est clear. Donc là, il faudra le 4 et le 5. Ah, juste dommage qu'on voit pas un petit peu ce que ça peut faire en termes de niveau. Bon, là, on aura certainement plus de chances d'avoir des items. J'ai bien dit possible. C'est pas dit que ce soit le cas. Mais très bien. Bon, il nous restera encore un petit peu de... ressources à voir. Donc là, maintenant, c'est bon, je ne claque plus tout simplement ce fameux pognon. Ouais, là, il nous manquerait que ça. Bon, du coup, ça veut dire que on va faire un petit dernier. Et du coup, ce sera dans la prochaine vidéo. On va attaquer, du coup, le monde 4. Vu qu'on aura 3002, je pense que 3002, c'est largement... Oui, c'est largement ce qu'il faut. Largement. Donc, très bien. En somme, c'est bien, c'est bien. Alors, ce que je disais, c'est que je voulais monter d'abord la vitesse. Bon, on va monter la vitesse de 4% et après, on va attaquer les défenses. Et plus tard, les points de vie. Parce que les défenses, c'est quand même intéressant d'avoir un peu plus de défense sur nos persos de chasse. Je pense que c'est à peu près kiff-kiff, mais bon. Et ben voilà, les amis. Encore un petit monde, enfin un petit univers simulé qui s'est bien passé, c'est plutôt cool. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur Enquête IRL. On fera un petit dernier pour cette semaine d'univers simulé. Et une fois qu'on aura terminé, bah écoutez, on attaquera du coup un petit peu la mémoire oubliée. Pour essayer de voir ce qui peut nous attendre juste derrière. Ça nous permet d'avoir un petit peu d'argent, donc je pourrais peut-être continuer à monter mes persos tranquillement. Surtout que j'ai un cône de lumière à essayer de monter. J'ai des traces, hein, comme celle-ci par exemple. Hop, voilà, ça fait. Je ne vais pas regretter, mais. Ah, ça par contre, c'est un peu chiant que j'ai plus les petites ressources. C'est casse-pied. Mais. Ouais, il va falloir que je débloque les trucs avant. Ah, donc là, je peux tout débloquer, vous voyez. Donc, ouais, il va falloir que j'attaque les traces. Ouais, je peux le faire. Donc, il faut que j'essaie d'attaquer ces traces-ci et puis de le monter. Mon petit Welt. Parce que là, bien sûr, on avait bien monté notre perso, mais bon. En vrai, si je peux mettre un de chasse dans chaque équipe. Après, est-ce que je suis obligé de mettre un buffer? Je pense que lui, il peut faire le taf aussi. Hein. Ouais, faut que j'essaye. Eh bien, écoutez, les amis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine aventure. Donc là, on va se retrouver en très peu de temps aujourd'hui pour le troisième univers simulé. Et après, je verrai si je vais continuer directement par de la mémoire oubliée. Essayer de faire un max de choses. Bon, je pense qu'à mon avis, là, ça risque d'être un peu plus compliqué si j'essaye de monter... Alors, monter les persos, ça va être un peu plus dur, oui, parce que va falloir du pognon. Mais on va déjà voir ce qu'on peut faire, éventuellement, parce que ça fait pas très longtemps qu'on est quand même équipe 4. Et on monte plutôt assez vite. Bon, après, c'est sûr, j'ai claqué un peu de carburant. Et là, je veux vraiment m'attaquer à l'univers simulé pour au moins être à jour. Et bien, écoutez les amis, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain aventure sur Enquête IRL. Et salut à tous !